Joël, 17 ans, apprenti à la manufacture. Moi, Jackie Fontenot, apprenti, 19 ans. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 14 ans, je vais à l'école. Quels sont vos loisirs et à quoi les occupez-vous? Le samedi après-midi, avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot. Oh, je traîne un peu dans les cafés, tout ça, dans les balles le soir. Je vais au cinéma, je fais de la musique, je lis. Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. J'aime beaucoup le cinéma, je fais une collection de porte-clés. Je fréquente pas les maisons de jeunes, ça m'intéresse pas particulièrement. Je m'appelle Martine. Quel âge? 16 ans. Je fréquente pas non plus une maison de jeunes particulièrement. Quels sont je collectionne les porte-clés, les poupées de collection aussi, les timbres. C'est à peu près tout. J'ai 17 ans et demi, je suis étudiant dans un lycée technique. Puis le jeudi, quand je sais pas quoi faire, je suis avec des copains au cinéma, le dimanche aussi. Mais quand je fais du sport dans mon lycée, là, alors mon violon dingue, c'est le sport. Le sport? Le sport, oui. Vous fréquentez pas les maisons de jeunes? Oh, quelquefois, on se réunit entre jeunes, quoi, mais rarement. Mais aller dans une maison de jeunes? Non, je fréquente pas les maisons de jeunes. Alors Yves, 22 ans, étudié en 4e année de droit. Alors j'aime beaucoup la chasse et la pêche. Alors à Poitiers, question de loisirs, je crois que c'est un peu... Il n'y a pas grand chose, à part 2-3 boîtes de nuit, il n'y a rien. Alors un violon dingue, je sais pas, j'aime bien la peinture. Monique, 22 ans, j'aime beaucoup la danse, la natation. Ça va, vas-y. Sylvie, 18 ans, je suis étudiante en droit. J'aime beaucoup la lecture, la natation, la danse particulièrement, puis le sport aussi. Vous ne fréquentez pas les maisons de jeunes? Si. Pas de violon dingue? Si, la lecture. Le cinéma aussi. J'aime beaucoup le cinéma. J'ai 18 ans, je suis étudiant. Je suis lycéen. Quoi. Je fais partie d'un groupe de jeunes. On fait ciné-club, photo-club. C'est ce qui occupe vos loisirs? Oui. Vous n'avez pas de violon dingue? Si, la photo, moi. Je fais de la photo 2-3 fois par semaine. Puis on a des ciné-clubs, on a tout, on a un club de théâtre aussi. Alors, mon prénom, moi, c'est Francisque. Je suis étudiant en droit, je suis à la fac de droit. Et vous allez me demander à quoi j'occupe mes loisirs, évidemment. Bah, à Poitiers, vous savez, il n'y a pas tellement de loisirs. Alors, le dimanche, on est contraint soit d'aller au cinéma, soit d'aller au bal. Mais encore, s'il y a des balles, vous savez. Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer, comme vous voulez. Vous fréquentez pas les maisons de jeunes? Si, oui, quelquefois. Quand on voit qu'un programme n'oublie pas la télé ou au cinéma, on va à la maison de jeunes avec des copains, on se réunit. Mais sans plus, quoi, on n'a pas besoin de... Vous n'avez pas de violon dingue? Violon dingue? Oh non. Moi, ce que je cherche à faire un orchestre. Mais votre âge, votre 20 nom? 20 ans. Et votre prénom? Ah bah ça, je suis pas forcé de vous le dire. Vous voulez pas me le dire? Bon. Non. Quelles sont vos occupations? Un peu de tout, quoi. Je fais un peu de guitare. Je m'amuse, quoi. Vous travaillez pas? Ça, je suis pas forcé de vous le dire non plus. Vous me le dites pas non plus. Mais quels sont vos loisirs préférés en dehors de la musique? Vous savez, hein, un peu de tout, quoi. J'aime bien me promener, quoi. Cinéma? Bon, pas question de cinéma, non. Télévision, un peu. Babyfoot, les appareils électriques dans les cafés, non? Oui, Juxabox, Flipper. T'as une moto, non? Un vélomoteur? Non plus?